Bienvenue Emilienne Creole Kitchen. Jeudi à Kounia là, nous arrivons le moment où nous commençons à montrer nous comment pour nous faire connaître. Nous avons besoin de farine, nous avons besoin de 3 tasses de farine parce que je fais un bon petit valet. Nous avons besoin de pincée sucre, un petit pincée sel, nous avons besoin de petit lait de kèd, nous avons besoin de crisco, nous avons besoin de graines. Raison que je toujours aimé faire avec crisco pour ne pas gagner un pile sel. Ou voulez faire la baie ou bien doit faire la baie. Il est élémentaire, crisco. Chaque saillot, c'est 2 tasses. Ok? Je fais avec raison, je fais avec 6 tasses. Parce que mes ont bon valet. Oui, oui, oui. Ok? Nous allons faire une fontaine. Pour nous capables de mettre les ingrédients là-dedans. Nous allons commencer à mettre un petit pincé sucre. Nous allons mettre un qui est sucre. Nous allons mettre un pincé sel qui bat en pile. Mettons un petit sel. Après ça, nous allons mettre les œufs. Nous allons casser les œufs pour nous augmenter là-dedans. Nous allons mettre les œufs. Nous allons faire avec 2 œufs. Nous allons commencer là. Nous allons mettre les mentèques. Nous sommes capables de mettre 3 cuillères de manteca. Mais c'est pour un petit cuillère, non? C'est un gros cuillère. Ok, nous allons mettre un petit lait de kèd là-dedans. Pour nous capables de mixer. Un petit lait de kèd. Ok, nous allons mettre un petit l'huile là-dedans. Nous allons mettre un petit l'huile tout petit là-dedans. Ok? Nous les farines moins. Kounya là, nous allons mettre le reposer dans le frigidaire pour le capable de faire un bon petit temps reposer avant pour nous prendre pour mal faire connaître. Premièrement, je vais mettre le citron. Mettre le citron. Deuxièmement, je vais mettre l'épice. L'épice, je vais préparer déjà. Un petit vinaigre là, viande. Un bon petit vinaigre. Et puis, nous allons mettre le sel. Nous allons mettre le sel. Nous allons mettre le citron déjà. Mais je vais augmenter. Nous allons mettre un petit cayenne pépère. Après, c'est qui est là. Nous sommes capables de voir qui j'aime mixer ça. Nous tout petit ça me mettre yo, la mixer la viande là. Donc on ti augmenter un petit season. Augmenter un petit season là dedans, li bon en pile. Season là bon. Augmenter un petit l'ail. Li bon en pile. Ni à là. A préparer viande là pour mettre le cuit. Nous allons mettre tout ingrédient ça net là-dedans. Piment, green là, nous mettons green, nous mettons red pepper, nous allons mettre tout piment yo, nous allons mettre zon yo là-dedans, la viande là. Et puis, nous allons mixer la viande. Nous allons mixer la viande. Nous allons bien mixer, préparer la viande. Nous allons bien préparer. Je vais mettre un petit crasse montagne. Nous sommes capables de mettre une petite crasse. Nous mettons tout ça nous besoin. Nous allons faire un petit bouquet garni avec thym. Avec thym pour mettre le bouilli là-dedans. Dans la viande. Ok? Nous finissons préparer, bien préparer. Viande dans les mains. On va besoin mettre ni l'eau ni graisse. La fait graisse. La fait graisse pâle. Bien mélanger viande là. Kounya là, on va le mettre pour le cuire dans le tout. Nous gagne des piments ça yo. On va le mettre au bouilli là dans ensemble avec bouquet garni. OK, m'a mettre viande là dans chaudière. La fait l'huile, au contraire, c'est retiré ou à retirer l'huile là-dedans. Quittez là pour le cuire, mettez du feu à petit pour commencer à cuire. Bien facile. Hey, force, force, oui. Force, même force avec Emilienne Creole Kitchen. Nous te passé un petit bel là-dedans yo. Pour le pâte là pas coller, les la cuite. Les fin cuite pour capable sortir. Si vous avez passé petit bel. Avec Emilienne Kitchen, c'est parti bon, et parti bon non? C'est coupé douette. Ou à couper douette. Pour j'en coupe. Pour j'en connais ça. vient manger avec moi. Marie, mais manger pour quoi? Quand on vient manger avec moi. De façon dit belle qu'on est qu'on y a là pour pas coller la dedans pour pas coller pour caler le fin cuite pour qu'à sortir facile c'est raison ça faut pas son petit belle l'en connaît pour capable sortir bien facile le fin cuite. Là, nous pourrons le mettre dans le four, nous avons fait plusieurs, puis le connaît. Nous sommes capables de voir qui va aller en bas four. Nous avons pile connaît en dedans four là. En pile. Nous allons mettre viande et puis nous allons mettre cream cheese et épais pour tout connaître ça. Yo tellement en pile. À connaître une fine cuite. M'a présenté nous pour nous voir comment connaître à cuite. Connait là. N'a mettre viande. L'en connaît hein. Nous mettons viande dans la connaît hein. Nous ca décorer tête connaît hein. Et puis si nous avons un petit persil frisé, nous allons laver bien laver, mettre un petit persil frisé dans tête li pour décoration hein. Nous allons voir qui j'en connais ça yo même. J'en yo goût. Mettez viande dedans. Viande cuite. Nous allons voir connait. Nous mettons viande. C'est coupé droite. Coupé droite. Avec Emilienne Creole Kitchen. On va prendre un petit verre. Bien. On va connaître. Sinon, on connaît ça, j'en goût. N'a pas mangé, c'est coupé douette. Nous mettons viande. Viande n'a goût. C'est un bagage terrible. Décorer tête li. Si nous ne voulons pas mettre viande dans tout, si nous ne voulons pas mettre viande, nous allons mettre cream cheese là-dedans, ok? Une petite fille là, elle remet cream cheese. Elle ne parle pas de viande là-dedans, elle remet cream cheese. Petit cream cheese là, il est bon tout. Il est délicieux, bien goût, mais c'est pas petit goût. Ça a déjà une viande là-dedans, il me mettait viande là-dedans. Kounya là, m'gal continuer, m'gan pile connait l'en fou a toujours. M'gal continuer mettre viande dans ratio, moi gen qui poko cuite. M'gal continuer mettre viande, m'gal mettre cream cheese. Là dans le ratio avec viande impé. Parce que grand pile moun k'ap vinn manger avec moi. OK. Vinn manger avec moi. M'a goûter pour nous ouais. Mes amis. M'bo encore j'en encore des goûts comme ça. Pas oublier pour nous abonner, peser petit cloche là, peser subscribe, abonner Emilienne Creole Kitchen.